qu'il faut pour répondre. Allez, bon après-midi. Faut qu'on ait les radios. Les radios, j'en ai une. Après, on va voir. Déjà, je fais un tour avec les mecs. Et après, on va voir s'il y a trois radios. Une, deux, trois. On est les mecs. Allez, on est parti. Prends une radio. Tu as les tuyaux. Donc là, première chose hyper importante. Vous voyez l'espèce de caméra là avec les trucs de lumière. C'est ça la solution. On va se mettre derrière. Thank you.
J'habite au premier étage de l'immeuble, donc juste au-dessus du subway. Donc le premier étage, celui qui a l'air à peu près indemne, les deux étages au-dessus ont été soufflés. Voilà, donc ça fait un peu bizarre de voir son immeuble dans cet état. Je ne sais pas trop ce qui nous attend. Mon ami va bien aussi. Voilà, on n'était pas dans l'appartement au moment où ça a explosé, donc heureusement on est là. Après, on ne sait pas du tout dans quel état est notre appartement, si on va pouvoir y réhabiter. Voilà. Et vous êtes dans quel état ? Je suis un peu fébrile, un peu, j'étais un peu paniquée. Bon, là, je suis contente déjà qu'on aille bien, c'est le plus important. Et j'attends de voir pour la suite, mais j'avoue, c'est un petit peu irréel. Voilà. Vous demandez quel était l'état de l'immeuble ? Est-ce qu'il était en bon état ? L'immeuble avait l'air assez ancien, mais mon appartement, en tout cas, était en très bon état. Et l'intérieur avait l'air d'aller aussi. Je n'ai pas remarqué de vétusté particulière dans l'appartement. Pour ce soir, on vous a proposé une solution ? Pour ce soir, on nous a dit que la mairie avait des solutions de relogement, donc j'attends d'en savoir plus. Ok, donc concrètement, nous, on nous a signalé une explosion, hein, comme vous le savez, donc à Boulogne, rue de la Reine. Arrivé sur place, l'effort pour nous, bien sûr, ça a été de secourir, de vérifier dans un premier temps qu'il n'y ait pas de victimes, de secourir les victimes. On a aperçu au troisième étage un premier homme qui a été gravement touché, mais conscient au moment où il a été évacué. Une deuxième personne également a été gravement touchée et elle aussi a pu être évacuée, conscient. Personnes conscientes donc, et plus trois autres blessés, beaucoup plus légers, qui ont également été donc évacués. Ensuite, bien sûr, les pompiers, dans un deuxième temps, ont éteint le feu. Et à l'heure où on se parle, l'effort pour nous, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres victimes, pas d'autres blessés, ou pire, malheureusement, dans les décombres. Pour cela, on engage l'équipe cynotechnique, donc les chiens, qui vérifient que donc, sous les gravats, il n'y a pas d'autres blessés. Et puis les équipes de sauvetage en milieu urbain qui là aussi sont en appui des équipes cynotechniques pour vérifier là encore s'il n'y a pas d'autres personnes sous les décombres. Dans quel état se trouve l'agent du GRDF ? Alors effectivement, l'agent du GRDF, il semblerait que ce soit l'une des deux victimes, hein, l'un des deux blessés graves. Bon, au moment où il a quitté la zone, il était dans un état... Enfin, il était conscient, je ne pense pas, à l'heure où on se parle, je pense pas que ce soit très grave. Hein. Il était conscient au moment où il a été évacué, donc a priori, nous l'espérons en tout cas, plus de peur que de mal. Maintenant, bien sûr, je parle bien d'un bilan provisoire, parce que l'évolution peut évoluer. Comme vous pouvez le constater, hein, l'explosion a été assez importante. Il y a quasiment trois étages qui ont été soufflés par l'explosion. Voilà, il faut rester très très prudent à l'heure où on se parle. Est-ce que vous savez un peu plus sur ces victimes, tous ces blessés ? C'était des personnes adultes ? Est-ce qu'il y a des enfants parmi ces personnes ? Alors malheureusement, j'ai pas ces précisions. Je n'ai pas non plus le sexe, pardon. Je reprends. Malheureusement, je n'ai pas ces précisions. Je connais juste le sexe des deux personnes blessées gravement. Il s'agit de deux hommes, mais je n'en sais pas plus malheureusement. Donc un locataire, celui du troisième étage, et effectivement un agent du GRDF. Pourquoi les... Donc on est sur 5 blessés, dont 2 graves. Donc à l'heure où on se parle, effectivement, il y a 5 blessés, 2 blessés graves et 3 blessés légers. Et l'ensemble des blessés ont été évacués en milieu hospitalier. Concernant les deux blessés graves, donc il s'agit d'un locataire du troisième étage et l'autre blessé d'un agent GRDF qui opérait sur les lieux. Les deux donc ont été conscients hein, au moment où on les a trouvés, au moment où ils ont été transférés en milieu hospitalier. À la suite d'une fuite de gaz, pourquoi il était là, l'agent GRDF ? Alors ça, j'ai pas la réponse à votre question pour le moment, il est beaucoup trop tôt pour le dire. On ne peut pas vous dire si c'est un lien de cause à effet pour le moment. Hein. D'accord. Il a été saisi d'une fuite de gaz ? Une fuite de gaz. Alors effectivement, l'explosion a été produite suite à une fuite de gaz. Mais ouais. L'agent a été prévenu, il venait intervenir sur cette fuite, vous le savez à cette heure ? Alors à ce moment, non, là je sais pas du tout, non. Ouais. Je suis pas en mesure de vous dire si effectivement l'explosion a été produite...
par son intervention. Enfin, là, très sincèrement, il est vraiment trop tôt pour le dire. Quels sont les moyens engagés par les pompiers de Paris en termes d'hommes et de véhicules d'engins de caserne? Alors en ce moment, il y a une cinquantaine de sapeurs-pompiers engagés. Dans un premier temps, les premières équipes, donc pour elles, la priorité bien sûr, c'était d'évacuer les blessés, de les prendre en charge par nos équipes médicales. Elles ont été transférées. Ensuite, en simultané, donc d'éteindre le feu, puisqu'à la suite de l'explosion, donc il y a eu, ça a produit un feu, donc il fallait éteindre là aussi rapidement. Et enfin, là. C'est la troisième phase, dont ce que vous êtes en train d'apercevoir derrière moi. Grimpe, c'est ça qui intervient? Alors il y a effectivement voilà, les équipes spécialisées, donc les équipes SINO, les équipes spécialistes en sauvetage en milieu urbain, et le grimpe qui effectivement la recherche sous les décombres d'éventuels autres blessés voilà, possibles. Est-ce que d'autres immeubles ont été évacués justement avec cette explosion? Alors les immeubles voisins effectivement ont été entièrement évacués parce que d'une part les fenêtres ont volé, hein, des deux immeubles voisins, les fenêtres ont volé et bien sûr par sécurité, s'agissant d'une explosion due a priori au gaz, bien sûr il était important, indispensable de les sortir des immeubles et de les mettre en sécurité bien évidemment. Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que le quartier va rester bouclé longtemps, après, ou pas? Je pense que... Effectivement, c'est une opération de longue durée, puisque ça, comme vous avez pu le constater, l'explosion est importante. Ça a certainement fragilisé toute la structure du bâtiment. D'autre part, il y a beaucoup de débris de gravats, donc il va falloir effectivement vérifier, encore une fois, sous les gravats, sous les ruines également, qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Donc ça va être de longue durée, effectivement. D'accord, on a terminé la marque.